Job, chapitre 9. Job prit la parole et dit, C'est vrai. Je sais bien que telle est la situation. Comment l'homme pourrait-il être juste devant Dieu? Si l'homme voulait contester avec Dieu, il ne pourrait même pas lui donner une seule réponse sur mille. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la toute-puissance. Qui lui a déjà résisté sans subir de dommages? C'est lui qui déplace les montagnes à l'improviste, qui les bouleverse dans sa colère. Il fait trembler la terre sur elle-même, et ses piliers sont ébranlés. Il donne ses ordres au soleil, et le soleil ne paraît pas. Il verrouille le ciel autour des étoiles. Tout seul, il déploie le ciel, il marche sur les hauteurs de la mer. Il a fait la Grande Ours, Orion et les Pléiades, ainsi que les constellations du Sud. C'est lui l'auteur de grandeur qu'il est impossible d'explorer, de merveilles si nombreuses qu'il est impossible de les compter. S'il passe près de moi, je ne le vois pas. S'il disparaît, je ne m'en aperçois pas. S'il arrache, qui s'y opposera? Qui lui dira, que fais-tu? Dieu ne retire pas sa colère. Devant lui, les appuis de l'orgueilleux s'effondrent. Et moi? Comment pourrais-je lui répondre? Quel mot pourrais-je choisir pour argumenter avec lui? Même si je suis juste, je ne répondrai pas. Je ne peux qu'implorer la grâce de mon juge. Même si je faisais appel à lui et qu'il me réponde, je ne croirais pas qu'il m'a écouté, puisqu'il m'assaille par une tempête et multiplie sans raison mes blessures. Il ne me laisse pas reprendre mon souffle, tant il me rassasie d'amertume. Si je veux recourir à la force, voici qu'il est tout-puissant. Si c'est au droit, qui me fera comparaître Même si je suis juste, ma bouche me condamnera. Même si je suis intègre, elle me déclarera coupable. Suis-je intègre Je ne le sais pas moi-même. Je suis dégoûté de mon existence. Qu'importe après tout En effet, j'ose le dire, il extermine l'homme intègre aussi bien que le méchant. Si un fléau donne subitement la mort, il se moque de la détresse des innocents. La terre est livrée entre les mains du méchant, il aveugle ses juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Plus rapide qu'un coureur, mes jours prennent la fuite sans avoir vu le bonheur. Ils filent comme des barques de joncs, pareils à l'aigle qui fonce sur sa proie. Si je dis, je veux oublier ma plainte, laisser ma tristesse, reprendre courage, je reste effrayé par toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me considéreras pas comme innocent. C'est moi qui serai jugé coupable. Pourquoi me fatiguer inutilement? Si je me lavais dans la neige, si je purifiais mes mains avec du savon, tu me plongerais dans la boue et mes habits m'auraient en horreur. Dieu n'est pas un homme comme moi, pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous de médiateur qui pose sa main sur nous deux. Qu'il retire son bâton de dessus moi, que ses terreurs ne me tourmentent plus. Alors je parlerai sans avoir peur de lui, mais ce n'est pas le cas, et je reste seul avec moi-même. Job, chapitre 10. Je suis dégoûté de la vie. Je laisserai s'exprimer ma plainte, je parlerai, dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi connaître pourquoi tu me prends à partie. Prends-tu plaisir à maltraiter, à repousser le fruit de ton activité et à faire reposer ta faveur sur les projets des méchants As-tu des yeux humains Vois-tu comme voit un homme tes jours sont-ils pareils à ceux de l'homme, et tes années pareilles à ces années, pour que tu recherches ma faute, pour que tu te renseignes au sujet de mon péché? Tu sais bien, pourtant, que je ne suis pas coupable et que personne ne peut me délivrer de ton pouvoir. Tes mains m'ont façonné, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais. Souviens-toi donc que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas fait cailler comme du fromage? Tu m'as couvert de peau et de chair, tu m'as tissé d'eau et de nerfs, tu m'as accordé la vie et tu as fait preuve de bonté envers moi. Tes soins constants m'ont permis de subsister. Mais voici ce que tu cachais dans ton cœur, ce que tu avais décidé en toi-même, je le sais. Que je pêche, tu ne me raterais pas et tu ne me considérerais pas comme innocent de ma faute. Suis-je coupable? Malheur à moi. Suis-je juste? Je n'ose pas lever la tête, rempli de honte et absorbé par ma misère. Si j'ose néanmoins la redresser, tu me pourchasses comme un jeune lion pourchasse sa proie, tu fais de nouveau des miracles contre moi. Tu renouvelles tes attaques contre moi, tu fais bouillonner ta colère contre moi, des armées se succèdent pour m'assaillir. Pourquoi m'as-tu fait sortir du ventre de ma mère? J'aurais expiré et aucun œil ne m'aurait vu. Ce serait comme si je n'avais jamais existé et je serais passé du ventre de ma mère à la tombe. Ma vie est si courte. Laisse-moi. « Éloigne-toi de moi pour que je respire un peu avant de m'en aller, pour ne pas en revenir, dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays où règne une obscurité épaisse, l'ombre de la mort et le chaos, où la lumière n'est qu'obscurité. » Job, chapitre 11. Zophar de Nahama prit la parole et dit « Cette foule de paroles ne trouvera-t-elle pas de réponse et suffira-t-il de savoir parler pour avoir raison Tes bavardages feront-ils taire les hommes te moqueras-tu sans que personne ne puisse te confondre Tu affirmes, Ma manière de voir est indiscutable et je suis pur à tes yeux. Si seulement Dieu voulait parler, s'il ouvrait la bouche pour te répondre et te révélait les secrets de sa sagesse qui dépassent de loin notre compréhension, tu verrais alors que Dieu oublie, à ton avantage, une partie de ta faute. Prétends-tu pénétrer les profondeurs de la pensée de Dieu Prétends-tu découvrir ce qui touche à la perfection du Tout-Puissant Elle est aussi haute que le ciel. Comment t'y prendras-tu elle est plus profonde que le séjour des morts. Que pourras tu en savoir? Ses dimensions sont plus longues que la Terre et plus larges que la mer. S'il passe, s'il emprisonne, s'il convoque à son tribunal, qui s'y opposera? En effet, il discerne les hommes faux, il voit l'injustice sans même y prêter attention. En revanche, l'homme à la tête creuse aura de l'intelligence quand le petit d'un âne sauvage naîtra comme un être humain. Quant à toi, si tu changes d'attitude, si tu tends tes mains vers Dieu, si tu éloignes l'injustice de ta façon de faire, si tu ne laisses pas le crime habiter sous tes tentes, alors tu pourras lever un front dépourvu de tâches, tu seras ferme et sans peur. Tu oublieras tes souffrances, tu ne t'en souviendras pas plus que de l'eau qui s'est écoulée. Ton existence aura plus d'éclat que le soleil en plein midi, tes ténèbres seront pareilles à la lumière du matin, tu reprendras confiance, parce qu'il y aura de l'espoir. Tu regarderas autour de toi, et tu te coucheras en sécurité. Tu t'allongeras sans personne pour t'inquiéter, et beaucoup rechercheront ta faveur. En revanche, les yeux des méchants s'épuiseront à chercher sans succès un refuge. Pouvoir rendre l'âme, voilà quelle est leur espérance.